Bonsoir, commandant. Vous m'entendez? Commandant? Ah, je crois que le commandant, il n'est pas là. Attends, viens. Faut qu'on se mette. Attends, viens. Faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on dit au journaliste. Donc on lui dit qu'il m'a attaqué et que tu lui as pété la gueule. Afi. Ouais? Ouais, Dada. Ok. Bon bah vas-y. Mais après, parce que là, il y a... Bah, faut voir avec le commandant déjà. Merde. Attends 2 secondes, hein, je vais m'équiper. Bonjour commandant. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Du coup, on a vu vos messages sur la radio. Oui. Suis en train de demander une. Donc j'ai annoncé au gouverneur que pour l'instant on n'avait pas fait de sanctions. Je lui demande une sanction modèle du fait que l'affaire va s'ébruiter en ville puisque c'est un candidat. Donc il faut une sanction modèle envers cette personne au vu des faits qu'elle a fait. Ok. Attends, j'ai... J'attends le. J'attends le Il retour reste du plus combien de temps? gouverneur là-dessus. Ok. D'accord, ok, reçu. Ouais. J'attends le retour du procureur là-dessus. Et après, je vous donne la sanction et puis je vous laisse finir l'affaire avec cette personne. Mais au niveau de la sanction, Gorkov lui a déjà mis des amendes en fait. Et il a payé. Enfin, il en a payé une. Les amendes ont déjà. Alors il en a accepté une, mais pour l'instant les autres, il les a refusées. Et pourquoi il les refuse? Alors là, bonne question. Parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, visiblement. C'est quoi qui refuse? C'est les coups et blessures sur officier, la possession de drogue. Faudrait que je regarde les amendes qui lui restent. Bah, je vais aller le voir et je vous dis ça. Bah regarde ton Ok. carnet d'amendes impayées. Ouais. Et ça, tu peux, ça, tu peux pas le voir en face. Ok, Ouais, d'accord, je bah vais parler à attends. la personne. Bah, je reviens. Ouais, bah Ouais, ouais. je vais ça. Ouais. Non, parce que le gars hier, on était avec Girofard là sur la route et on partait vers la droite. Et arrivé au carrefour, bah, je tourne en fait. J'avais feu Ouais, vert, normal, vous donc devez tourner à voilà, droite. ouais. Non, je tournais Même tourner à vers droite, la c'est le gauche, droit. je tournais en partant du commissariat, je partais Ouais. à droite comme ça et après je tournais à gauche. Ouais. Et le type est arrivé, je sais pas moi, entre 200 et 300 km/h, il m'est rentré dedans, j'ai fait un vol plané jusqu'au magasin de vêtements. Putain. Ça, c'est dingue quoi. Et le mec ose me dire, faut que tu me payes les réparations de ma voiture. Non, j'avais envie de lui mettre des coups de matraque quoi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Ah, j'ai jamais vu ça quoi. Et du coup, Ouais, mais ça me dit. comme on était pressé, qu'on n'avait pas de temps à perdre avec ces cabinoïs, on lui a dit, tu ferais mieux de te taire, nous on n'a pas le temps avec toi, on a autre chose à faire. Donc on s'en va. Ouais. Et pendant le meeting du candidat en Bessie, Ouais. le type arrêtait pas de saouler 77 en fait par rapport à ça. Et il est même revenu ici pour se plaindre qu'on devait payer Ouais. l'amende, il m'a laissé la facture et tout. Et du coup, quand on a refusé de payer, il nous a attaqué. Je vais voir ça. Donc, qu'est-ce qu'il a pas payé? Alors, il n'a pas payé agression, enfin tentative de meurtre sur un agent et conduite dangereuse, je crois. Celle qu'il a acceptée, c'est possession de drogue. Je vais juste descendre voir ce zigoto. Rentrer dedans un peu. Attends, je vais appeler le journal. Attendez. J'appelle le journaliste ou pas? Parce qu'il m'a laissé son numéro de Non, mais je l'ai téléphone. recadré. Il est venu là, je l'ai recalé, je l'ai renvoyé chez sa mère. Bah pourquoi? Faut Parce attendre que le que y a, procureur tant ait que donné le son. procureur n'a pas fait sa décision, la présomption Ah. d'innocence. Ok. Parce Ah, que ok. imaginez, en plus, le journaliste, c'est un concurrent, monsieur Hamilton, aux élections. Ah bon? Ah, ok. Ah, d'accord. Ah, je comprends mieux, Et ouais. donc, imaginez ce que ça peut lancer comme Comme truc dans la ville. Moi, je problème, savais pas ouais. l'histoire.
Donc, moi, tant que le procureur n'a pas fait de décision, je ne parle pas aux journalistes. C'est Ok, une autre chose dans le sens. ok. Merci de me prévenir. Ouais. Bah, du coup, je vais le Allez, faire attendre. moi je vais aller voir le zigoto. Ouais, on va venir voir ça. Je suis bien curieux de savoir ce qu'il va dire. Monsieur Hamilton, Oui, bonjour. je voudrais savoir pourquoi vous refusez de payer vos amendes pour agression sur officier de police et pour conduite dangereuse. Bah, étant donné que je vais contester, j'ai une semaine pour les payer, bah, je vais pas les payer maintenant. C'est-à-dire les contester. Étant donné que je suis pas d'accord avec le fait de recevoir les amendes, bah, je vais contester. Et vous les contester, pourquoi? Je veux Bah, savoir, l'agression parce sur que bah, fonctionnaire de force publique, vous avez je me tapé, souviens vous avez pas les tapé. avoir agressés. Ah Je les ai d'accord, donc tapés, mais vous. regardez, regardez. À soi-disant, je les ai tapés. Et celui, il y en a un seul qui a un bleu, un endroit, non. D'accord, donc vous remettez Bah, en si c'est parole ça, moi. Si. donc Monsieur, j'ai un mâchoire. J'ai un vous mâchoire remettez chaude et deux doigts en rouges. de toute façon, je vais vous dire, hein, ça va être très simple. Vous avez ici deux officiers assermentés, donc leurs paroles valent plus que la vôtre. Je ne sais pas si vous avez des témoins. Bah, regardez, il y a des caméras ici, ça se voit bien. Vous avez qu'à montrer les caméras alors, c'est ça. Pour me prouver que je les ai tapés. D'accord. Et donc la conduite dangereuse, vous n'êtes pas d'accord. Vous arrivez à Bah, 220 en étant ville et donné vous n'êtes que pas d'accord. sur. Mais je roulais pas à 220, je roulais à 80. Je l'ai percuté. Oui, bah Après, oui. sur le lieu, ils mettent leur véhicule en fourrière pour pas attendre les mécanos, ils partent, vu qu'ils étaient pressés. Donc, je leur demande si je suis à tort ou pas. Le monsieur à côté de vous, qui n'a pas de cheveux, sort. Non, vous n'êtes pas. La Mercedes n'est pas à tort. J'étais le chauffeur de la Mercedes. Et au final, après, il met une amende. Monsieur, j'étais complètement Ah oui, sonné mais. après l'accident. J'ai fait un vol plané jusqu'au Bah, magasin de 80 km vêtements. heure, je pense pas qu'on fait un... on fait pas un vol plané sur 5 mètres à 80 km heure. Donc soit vous révisez Il a pas votre fait. vue, soit vous Oh, révisez monsieur, il a votre atterri sur une boîte vue, aux lettres. soit vous révisez votre vue, etc. Soit vous voulez partir en procès contre Speedy, et là, de toute façon, ce sera beaucoup plus cher contre vous. C'est votre choix. Dans tous les cas, j'ai informé le procureur. Donc vous avez votre campagne d'investiture au gouvernement est annulée à partir de maintenant. Pour le fait et l'unique fait que vous acceptez actuellement et que de toute façon est rédhibitoire, c'est possession de drogue. À partir du moment où maintenant vous êtes enlevé du gouvernement, votre investiture au gouvernement est annulée. Donc, après, si vous voulez remettre en cause la parole des officiers assermentés Bah, je la pour remets en cause, c'est conduire, pas si je veux, c'est je la remets en cause. et ben vous irez au tribunal, vous aurez la parole Et de bah, y a deux pas de officiers problème. assermentés contre vous et donc on demandera des sanctions exemplaires contre vous, c'est-à-dire. Donc vous fera payer l'ensemble des dégâts aux frais du SPD, plus les frais d'avocat du SPD. Bah, très bien, étant Donc donné que vos véhicules n'a pas été réparé vu qu'il a été pris par la fourrière de votre unité, à partir de là, vous ouais. pouvez pas essayer mais déjà vu qu'il est parti en fourrière votre véhicule. Mais alors, c'est pas un problème ça. Donc moi j'informe le procureur que vous refusez, donc que vous allez rester en cellule. Le temps que le procureur vienne et organise une séance de jugement. Ok. Donc, ce qui aurait pu En se fait, terminer très rapidement, bah, vous allez rester encore 48 heures en garde à vue. mais attendez, juste une question. Vous pensez que je suis Ah assez bah. con pour seulement. Non, mais attendez, juste une question. Vous pensez que je suis assez con pour tabasser deux agents de la LSPD dans votre commissariat alors qu'il y a des caméras pour en plus venir avec des stupéfiants sur moi pour me faire choper au final? Je veux bien qu'il y ait des cons partout en plus pour ruiner ma campagne électorale. Au bout d'un moment, il faut s'y réfléchir. Il y a Quand des même, caméras, vous n'avez qu'à position de les regarder, on verra bien qui drogue, sera coupable. position de drogue, vous croyez, les hommes n'ont pas accès au stock de perquisition de drogue. Il n'y a que moi qui ai accès dans la ville, et j'étais pas là à ce moment-là. Donc,
À partir du moment où vous êtes de la drogue sur vous, de toute façon, c'est Mais terminé pour vérifiez votre les intrusion. empreintes, j'ai jamais touché à votre paquet de stupéfiants. Oui, bah bien sûr, on l'a créé, on l'a jeté dans le bocal derrière, quoi. Mais est-ce que j'en sais, moi? Est-ce que c'est moi, non? Bon. De toute façon, c'est vis-à-vis de la poussière à s'implanter, donc de toute façon, on fera la suite. J'informe le procureur. De toute façon, vous avez payé l'amende pour la drogue, vous savez dire que vous l'acceptez déjà. Donc à partir de ce moment-là, on va pas aller loin. Bah, étant donné, je l'ai payé sans faire exprès, j'ai signé sans faire exprès, oui. Oui, bon, bien sûr, on fait exprès de signer un chèque d'une telle valeur sans faire exprès. Ah bah tiens, je vais lâcher 10 000 dollars sans faire exprès. C'était 25 000. Oui, 25 000. Oh, bah oui, bah tiens. Moi, je lâche mes 25 000 dollars comme ça dans la rue, vite fait, bien fait. Mais non, mais de toute façon, apparemment, c'est toujours nous qui sommes à tort. Non, Vous avez mais. toujours raison. Oui. Bah, attendez. Bien sûr, mais. Et vous êtes le saint patron de la ville, quoi. Est-ce que j'ai dit ça? Non. Ah, donc, acceptez les faits. Vous avez roulé Mais acceptez comme quoi? un salaud. Vous avez roulé comme un salaud. Voilà, vous avez de la drogue, bah c'est fini, bro. Des fois, quand on perd, il faut accepter de perdre. Mais je sais. Attendez, vous rentrez dans des agents de police en fonction avec les gyrophares. Je veux dire, à partir de là, on vous a rien dit, on est parti, et vous continuez de vous plaindre. Déjà, on a été gentil au début à la base. Je sais pas, De non? toute façon, là, je suis en communication par mail avec le procureur. De toute façon, cette personne a encore, on a droit encore 48 heures de garde à vue. Donc pour l'instant, il va rester en garde à vue le temps que le procureur vienne s'occuper de cette affaire. Donc les Eh seules ben communications allez-y. que nous aurons avec cette personne, ce seront de lui donner du pain et de l'eau s'il en a besoin. Point final. Eh ben bon courage à vous trois pour votre carrière. Hein. Ma Pardon? carrière, vous inquiétez pas, elle est déjà faite. Vous voyez pas les acides qui Oui, sont à elle est bien l'épaule? faite, bah oui, bien sûr. Eh ben continuez-y, amusez-vous bien. On rigolera bien au tribunal. Ouais, pas de soucis. Bah rigolez bien, parce que vous rigolez bien, pourtant vous avez pris un coup dans la gueule apparemment, vous parlez encore bien. Hein. Donc au bout d'un Ouais. moment, faut aussi arrêter de se plaindre. Et vous parlez aussi bien pour quelqu'un qui s'est pris un coup de matraque parce que vous avez tabassé mon collègue, par contre. Toi, je Ah bah suppose qu'il attends, y a un parce qu'il faut ennemi dans savoir, la famille. hier c'est vous que j'ai tabassé, maintenant c'est votre collègue que j'ai tabassé, faut se mettre d'accord sur la version des faits au bout d'un Oui, vous moment. lirez le Parce que si vous rapport, la hein. changez tous les quarts Vous d'heure, avez tapé sur faut tout le monde, arrêter monsieur. d'abuser. Vous avez tapé sur tout le monde. Allez. Bah si j'ai tapé sur tout le monde, vous aurez été tous les deux des coups, votre collègue il dit être le bon qui est blessé. Donc là, faut aussi se mettre un peu en Vous question, la vous ne voyez, lui ma dites pas la même mâchoire? version des faits. Là, je la vois très bien, elle a rien du tout. Bah la vôtre non plus, pourtant vous êtes pris un coup de matraque. Bah normal, vu que j'ai pris un coup de matraque au niveau au-dessus de l'oreille, j'ai pas pris de la mâchoire. Pourtant vous avez rien au-dessus de l'oreille à part plus de cheveux. Bah si, j'ai un bandage, mais bon, apparemment, ça. Bah, On vient, on écoutez. vient. Ah, c'est. Itsuka qui a la langue bien pendue. Ah ouais, ça c'est. On fait une petite Ah, patrouille ou. commandant? Je crois qu'il est en conversation en mail en fait. Est sur ses mails. Allez, let's go patrouille. Allez. Claqué. Moi ça, de toute façon ce soir ça va être tranquille hein. On fait une sortie entre les speed. Ouais, t'oublies note là. Qui ça? Mec, que tu voulais choper là, tu m'as parlé tout à l'heure. Mais y a le temps, on n'est pas pressé à ce point-là. Je t'avoue que si on le faisait ce soir, ça m'arrangerait. Suis plus là. Ah, t'es plus là après? Bah, je pars en vacances pendant 2 semaines. Ah merde. Je conduis cette fois-ci? Allez, je m'écarte, attends. Comme ça, je vais en profiter pour contacter le journaliste, lui dire qu'on attend la décision du procureur.
ça? Bon, elle est partie chercher à manger. Oh, j'espère que c'est pas un braquage encore parce que. Et tout seul, et vu qu'il était à visage découvert, ouais. Du coup, faudrait voir avec le commandant en fait pour. Pour préparer l'arrestation de. De l'autre clown. Hein? Let's go. Hein. Ouais. Il est sur radio ou pas? Non, non, il est pas là. Je pense qu'à mon avis, il est en train de voir avec le procureur qu'est-ce qu'ils vont faire de l'autre énergumène en fait. À mon avis, ils vont juste lui annuler sa campagne électorale. Après, il va être libéré, il y Bon, c'est pas aura. parce que c'est un. Hein? Pas parce que c'est un candidat qu'il va rien prendre, hein. Ah, bah, j'ai pas dit qu'il va rien prendre. Bien sûr qu'il va prendre. Mais, ils vont annuler sa candidature. Et après, on pourra faire son interview, quoi. Une fois que le. Merde. Que le procureur sera venu, le journaliste va venir nous interviewer, en fait. Qu'est-ce que t'as vu? Quoi? Ah, je crois que t'avais vu un Un truc. mec qui va. Non, un mec qui va pas tarder à sortir du parking, je veux pas qu'il me voit en attendant. Parking central? Je vois pas. Oh, c'est quoi le délire là-bas avec le bus? Marcher. Marcher devant le parking. Le mec en rouge là-bas? Ah ouais, je le vois l'autre là-bas, ok. Ouais. Un mec en orange. Orange, rouge, devant la gym. Je t'entends pas fort, mec, c'est pas normal. Parce que faut que je parle plus fort en fait. Faut que je me réveille. Pas de soucis, pas de soucis. Par contre, les véhicules là-bas, ils ont du mal. Ah, mais ça va pas du tout. Hein. En passant, tu peux regarder s'il y a quelqu'un dans le camion. Ouais, mais c'est pas quelqu'un, enfin, j'avance. Qu'est-ce qu'il fout à Non, poil lui? personne, elle est à poil. Attends, 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 attends. Il a le droit d'être à poil. The fuck? Non, non, il a pas le droit, non. Monsieur? On va procéder à un petit contrôle. Juste un petit. Bah, monsieur, vous vous baladez à poil dans la rue. Attends, t'as la pudeur? Bah si, mais en fait, hier il était en soirée, du coup il vient d'arriver en ville. Du coup, il n'y a pas eu le temps de me changer. Ah, ok. Mais je vais quand même demander votre identité, juste ça. Si, bah, il vous donne ma carte. Merci. Ah bah c'est bizarre. Jovenes Pepito? Ah bah c'est Jovenes. Ok. Bah vous devriez aller vous habiller monsieur. Oui. Je sais pas, il vient d'arriver en ville. Ah oui, y a pas de soucis. Y a pas de soucis. Bah. Oui, mais Je vous invite à aller vous habiller, y a un magasin de vêtements par là-bas. si, je vais faire ça. Bah, allez, vous souhaite bonne journée. Aujourd'hui c'est Ah, j'en peux plus quoi.
J'ai le droit de me balader à poil en ville qui me dit bah bien sûr que non, attends t'as la pudeur quoi, En plus, il fait de la moto comme ça. Non mais laisse-le, laisse-le. Il va aller s'habiller. Il est parti s'habiller. Tu veux que j'aille le faire chier pour le parking à contresens? Vu qu'on recherche l'autre, je crois que plus on fait de contrôle d'identité, mieux ça sera. Bonjour monsieur, vous pouvez descendre du véhicule s'il vous plaît? Ah, l'anglais. Salut, bien sûr. Non, mais on recherche quelqu'un en fait. On Qui ça? recherche quelqu'un. Quelqu'un. Et du coup, on t'a vu prendre le parking à Hop contresens, hop donc on se hop, on demande. arrive à un feu rouge. Ah merde, ouais, Feu rouge, excès de Feu vitesse, rouge, capteur excès de d'extinction. vitesse. Ah, je l'ai vu là-bas au fond à gauche. À gauche, là. La moto. Non mais c'est le camion là-bas là en face là. Ah bon? Oui. Oh, tu m'as dit à gauche. Parce que la moto aussi elle partait en balle, c'est pour ça. Ah bah c'est l'électricien. Monsieur, rangez-vous sur le côté s'il vous plaît. Attends, je vais descendre. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous savez que vous avez grillé un feu rouge? Plus un excès de vitesse? Deux feux rouges. Ah bon? Ouais, deux feux rouges. Ah, autant pour moi. J'ai pas fait attention. Ok. Je vais vous donner vos papiers s'il vous plaît. Du coup. Alors attends. Liam Scott. Oui, c'est bien ça. Oui. Alors attendez. Je note ça. Voilà. Du coup, je vais devoir vous verbaliser. Ah oui, bah oui, bien sûr, je comprends. Y a longtemps que vous êtes en ville? Ah non, j'ai débarqué il y a un jour là, hier. Ok. Je vais vous mettre un feu rouge et un excès de vitesse. Et on va oublier un feu rouge. On va être gentil vu que vous venez d'arriver. Par contre, j'espère que vous respecterez le code à l'avenir. Ah oui, je serai plus attentif, monsieur l'agent. Ok. Alors, non-respect d'un feu rouge. Et un petit excès de vitesse. Voilà. Ah bah. Je vous ai évité un deuxième feu rouge. Après, vous avez une semaine pour payer les amendes. Vous n'êtes pas forcé de les payer tout de suite. Ah, si vous êtes. Bon, ouais, je pense que le feu rouge, je vais le mettre de côté du coup. Je vais bien le mettre dans la boîte à gants. Y'a pas de souci. Parce que là, sinon, cette.
Y a pas de souci. Je vais noter que vous payez pas le feu rouge et que dans une semaine vous le paierez ou avant. Ouais, bah dès que j'ai réussi à mettre un peu d'argent de côté là, parce que je vous avouerai que Ouais. c'est difficile. Ah, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça que je vous ai pas mis les deux. Très gentil de votre part, monsieur l'agent, et désolé encore, hein, je serai plus attentif, comme je vous ai dit. J'espère bien. Bon. Je vais vous libérer. Et je vous. Bien, et bonne journée à vous. Oui, à vous aussi. Et bon courage, faites attention. Ouais, moi c'est fait. Hein. Vu qu'il est nouveau, je l'ai pas trop tamponné, tu vois. Pas ça, mais c'est un peu de temps le temps que je check les casiers. Quoi? Pense à me laisser un peu de temps le temps que je check les casiers. Ah oui, pas bête. C'est vrai que maintenant on a taxé toi aussi. Je t'entends souffler. Hein. Pardon. T'excuses. Bah ouais. Là comme ça, tu m'entends plus respirer là. Après, vu qu'il est nouveau en ville, logique qu'il n'ait pas de casier. Le gars de tout à l'heure dans la Audi, c'était un Fed. C'est l'anglais. Mais tu sais pas, enfin tu le gardes pour toi, tu vois. Ah ouais, t'inquiète. Je le dis à qui? Non, mais c'est pour te prévenir au cas où, tu vois. Si... Comment que je parle? Pas au bout de moment, c'est terrible. Ouais, je suis bien. Ça peut se compter sur une seule main. Même si le mec il a deux doigts, ça peut se compter dessus. Ouais, je vois. C'est ce qu'il faut en essence dans la voiture? Ouais, je suis à 56 là. Oh. Tant qu'on va pas dans le nord, ça ira. T'es sûr? Il y a une station derrière, vas-y, je te mets un plein. C'est mieux qu'on soit à 100%, tu vois. On sait jamais. Parce qu'il y a des malins, des fois ils sont assez bons en course poursuite. Attends, je vais te le faire. Yep, j'achète juste un jerrycan.
Ah, j'ai pas cette cache sur moi. Dans tous les cas, il est plein le machin. Hein. Ah bah là, je t'ai mis le plein là. T'avais pas assez de sous pour quoi alors? Pour acheter un jerrycan. Ah oh, souvent t'inquiète, on va un plein jerrycan, je pense qu'on a de quoi faire la guerre. Hein, ouais, bah si, tu vois, je suis prévoyant, tu vois. Ah ouais, pas de mal à ça. Parce que le gars qu'on cherche, à mon avis, il va nous en faire chier. Et cette nuit, j'ai passé ma nuit à regarder tous les dossiers en fait. Ouais, j'ai vu que. Tu m'as réveillé avec des messages. J'ai tout. Hop là. Pardon, merde. Voilà, c'est quoi ça? T'as lu ça? Non, c'est mort. C'est pas lui. Ah, si, ouais, c'est moi, les gars. Dis-moi, il fait quoi, moi? Non, non, vous inquiétez pas, monsieur. Dis d'accord. Ça, c'était. C'est quoi la voiture qui l'a lancé là? Ah, je sais pas. Tu peux vite fait aller chercher dans un rapport. Faire personne recherchée, s'il te plaît. Et me dire la voiture que j'avais lancée. Voiture recherchée? Ouais. C'est dans personne recherchée, je crois que j'avais. Grand, fort, cheveux longs, cheval. Yep, et la voiture? Audi noir mat, plus vite teinté. Ça reste pas un descriptif. Ah, c'est pour ça que je suis allé sur la Audi noir mat tout à l'heure sur le profil, mais c'était pas lui. Je sens que ce soir ça va être intéressant là. Faudrait qu'on voit le commandant pour le prévenir pour rechercher l'autre. Qu'on pourrait peut-être lui monter un piège, tu vois. Par contre, là, Audi noir, mec, faut qu'on le trouve cette personne là. Ça fait 30 ans que je le recherche, toujours, c'est mon fil noir depuis 2-3 semaines. Ah, mais après, le mec, il a peut-être eu le temps d'aller changer de coupe de cheveux, etc., tu vois. Ouais. Ah, ouais, bien sûr, mais bon. C'est le Fed en face. Tu fais quoi? J'étais en train de regarder ce que disait le lieutenant. Ah, tu veux que je conduise? Ah non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Ah, parce que soit tu conduis et moi je regarde, et soit tu. Bah alors dis-moi ce qui se passe la prochaine fois. Ouais. Ah, pour l'instant, rien. Putain, on l'a perdu. Le lieutenant qui l'a appelé Mathéo machin. Ah, il est fort. Je suis retourné à Marseille, je suis au Texas pendant encore quelques semaines. Ah, il est rendu au Texas, lui. Ok. Il y en a qui sont plaisirs.